Bonjour et bienvenue dans cette vidéo un petit peu atypique sur la chaîne Versailles Rhétorique. Atypique puisque je vais vous présenter une salle VR pas comme les autres que j'ai pu essayer pendant mes congés avec mes amis Muriel et Cédric, que je remercie par ailleurs pour leur disponibilité. J'en profite pour faire également un petit coucou à leurs enfants adorables, Elena, Juliette, Elliot et Timothée, coucou. C'est au kart indoor chrono situé à Fegersheim, près de Strasbourg, qui malgré son nom n'est pas simplement une piste de kart en intérieur, que se trouvent entre autres des activités telles qu'un escape game en réalité augmentée, mais surtout ce qui nous intéresse aujourd'hui, une salle de jeu VR, pas comme les autres donc. Car oui, contrairement à la plupart des salles VR qui fleurissent partout en France, et qui proposent des jeux et expériences dans de petits box avec souvent des jeux disponibles dans le commerce, l'expérience VR proposée ici est tout autre. Jouable actuellement jusqu'à 4 en coopération, chaque joueur est équipé d'un PC dorsal MSI sur lequel est relié un casque Oculus Rift modifié. Vous êtes alors intégralement libre de vos mouvements dans une pièce de 60 mètres carrés munie de 16 caméras pour un tracking complet. De plus, des capteurs accrochés sur chacun de vos membres, 8 au total, permettent une détection intégrale de la position de vos bras, vos jambes, vos mains et même vos doigts, rendant l'immersion vraiment totale. Vous pouvez par exemple donner de vrais coups de pied à vos ennemis ou plus amusant encore faire des doigts à vos amis. Rien que le fait de voir vos pieds virtuels parfaitement à leur place vous donnera des frissons lorsqu'il vous faudra traverser une planche au-dessus du vide par exemple. J'en ai fait les frais et vous allez pouvoir voir ma réaction dans quelques instants. Et bien entendu, chaque joueur dispose d'une arme à deux mains, également détectée et traquée par le dispositif de jeu. Il n'existe pour l'instant que deux salles en France proposant cette expérience provenant de Russie, dont les jeux et le matériel proviennent de la société The Psycho. Trois différents jeux sont proposés à ce jour, nous en avons essayé deux, celui nous opposant aux arachnides du film Starship Troopers, puis celui où nous étions en proie à des hordes de zombies. Trêve de bavardage, voici quelques extraits de nos parties endiablées. Veuillez noter que cette vidéo sera également disponible en mode 180 degrés 3D, visionnable avec vos casques VR un petit peu plus tard sur l'application YouTube VR, pour faire comme si vous y étiez. Again. Get upstairs and activate the turrets. Double time. Try to reboot the systems. It'll help to regain control over the turrets. And stay sharp. Allez,
Get back to the turrets now. Ah non, on retourne là-bas maintenant. Ouais. Ah, ça c'est fini. On perd si on faut. C'est trop parfait. Ah, j'ai trop peur. Je sais que je ne peux pas. Allez, il est temps de mettre un terme à cette vidéo. En conclusion, je peux vous assurer que nous avons tous les trois été très agréablement surpris par la qualité de cette expérience. Attention, tout n'est pas parfait, il faut admettre que celle-ci n'est pas exempte de défauts, notamment les jeux qui ne sont pas très subtils et ne sont pour l'instant que des shooters plutôt génériques. Mais qu'importe, le résultat reste bluffant. Le tracking complet des doigts et des jambes est juste magique. On s'amuse à gesticuler, danser, faire des doigts à ses amis, tout cela dans la joie et la bonne humeur. Vous l'avez donc compris, c'est une expérience qu'on recommande très fortement. Je terminerai par dire un grand merci à toute l'équipe du kart Indoor Chrono de Fegersheim de nous avoir permis de réaliser cette vidéo. Allez, je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous, et on se retrouve très bientôt. Bye bye. Veuillez enfiler votre casque de réalité virtuelle. Bienvenue chez VSM.